Ça n'a l'air de rien, ce petit champ comme ça, tout blanc, cette jolie campagne couverte de neige ici dans l'est, l'extrême est même de la Pologne, puisque la frontière biélorusse est à quelques centaines de mètres tout au plus. Sauf que c'est ici que se trouve un trésor, un véritable bijou, patrimoine mondial de l'UNESCO et aussi zone Natura 2000. J'ai nommé le parc naturel et la zone de conservation stricte du parc naturel de Białowieża. Et si on va là, c'est parce que ici se trouve la dernière forêt primaire d'Europe, avec son portail qui garantit que tout ce qui reste à l'intérieur soit protégé de l'intervention humaine. Donc là, ce qu'on est en train de faire là, c'est un peu un voyage dans le temps. Oui. Ça, c'est littéralement voyager au passé de l'Europe, parce que l'immense majorité de l'Europe, ça fait d'avant l'introduction de l'agriculture en Europe, était comme ça. L'immense majorité du continent européen était une forêt tempérée. Donc ce qu'on va faire maintenant, après passer la porte en France de la réserve intégrale, c'est un voyage au passé de l'Europe. Là, juste là où on va, c'est la forêt la plus ancienne d'Europe, mais qui date de quand on sait à peu près? Bon, la structure qu'on a maintenant a quelque chose comme 8000 ans. Mais il y a des parties qui, du point de vue structurel, ont quelque chose comme 14000 ans. 14000 ans mm-hmm. C'est-à-dire que c'est de la forêt de la fin de l'ère glaciaire. C'est les valeurs de conservation qu'on a ici, c'est incomparable à la majorité des endroits qu'on a en Europe. C'est incomparable le niveau de développement, complexité et richesse d'une forêt qui a quelque chose comme 14000 ans d'histoire sans aucune intervention, quand comparé avec un champ de patates qui a une intervention régulière et qui n'est pas très compatible avec les cycles de la nature et de la vie. On approche tout doucement de la forêt de Białowieża. Le niveau de complexité est tel, complexité et diversité de vie est tel, que pour avoir une forêt comme Białowieża, on a besoin d'au moins 1000 ans pour avoir le même niveau de qualité, diversité, complexité, de interrelation entre tous les organismes qu'on a ici. Et elle a dit, et qu'est-ce qu'elle a différent de ma forêt de Fontainebleau, par exemple? La jeunesse. Ouais. La forêt de Fontainebleau était déjà, d'aucune façon, intervenue dans le passé. Une bonne partie était plantée. C'est vrai que c'est une belle forêt, il n'y a aucun morceau qui sont relativement naturels, mais la jeunesse apporte une énorme différence. Quand on a une forêt qui n'a aucun des morceaux, peut-être 14000 ou 13000 ans, c'est incomparable avec une forêt qui a 200 ou 300 ans. C'est incomparable, il n'y a pas de comparaison. C'est comme comparer un Fiat Uno avec un Porsche. C'est une autre mécanique, une autre fonctionnalité, une autre diversité, une autre richesse qui est incomparable. Et c'est pour ça qu'ici, c'est un formidable... C'est un coffre-fort, un réservoir, un musée de connaissances. De richesse, oui, de diversité. Ici, on peut voir clairement, par exemple, ça, c'était une scène de chasse qui s'est passée hier. Ça, c'est un trait de loup qui a chassé un sanglier. On peut voir qu'il a sauté littéralement d'ici à l'autre côté. On peut voir l'effort que les animaux ont fait. Et comment vous savez que c'est un sanglier qui poursuivait? Parce que j'avoue, les traces hier qui étant de sanglier, parce que les traces de sanglier sont très spécifiques quand comparées avec des autres animaux. Donc là, c'est une scène de chasse. Scène de chasse. Oui. Qu'on peut lire dans la neige. Oui, il s'est passé hier, peut-être pendant la nuit. Si on est venu aussi, c'est parce que cette forêt n'est pas passée loin de subir des outrages irréversibles. Il y a 4 ans de ça maintenant, en 2017, quand le gouvernement polonais a lancé une grande campagne d'abattage, alors pas dans la réserve stricte, mais tout autour, c'est-à-dire toujours dans la zone protégée par l'UNESCO, au nom de la menace que représentait un insecte xylophage. Sauf que, bien sûr, les arbres abattus, plusieurs dizaines de milliers, certains parlent de centaines de milliers d'arbres, et ben, comme par hasard, ont été vendus. Et heureusement, grâce à une véritable ZAD et une mobilisation d'écologistes et d'environnementalistes venus ici se regrouper, après 8 mois de lutte, le gouvernement polonais a dû jeter l'éponge, surtout condamné par la Cour de justice de l'Union européenne pour ce grave manquement à la préservation de l'environnement de tous.
sąsiadem. Bogdan, jestem biologiem, od kilkunastu lat zajmuję się Puszczą Białowieską, wykonuję tutaj inwentaryzacje przyrodnicze, też biorę udział w tworzeniu planów ochrony. Jeśli dzieje się coś niepokojącego, to wtedy reaguję, zbieram dowody, robię raporty, wysyłam te raporty do Komisji Europejskiej, do UNESCO. C'était une première victoire que vous avez menée contre les autorités polonaises, qui s'est fait condamner, rappelons-le, par la Cour de justice de l'Union européenne. C'est quoi les prochains enjeux et les prochaines batailles pour vous? Natomiast z całą pewnością można powiedzieć, że ten rok i najbliższe lata są dla Puszczy Białowieskiej decydujące, ponieważ te plany, które są przygotowywane, będą określały i warunkowały sposób gospodarowania Puszczą Białowieską. Także to jest dla nas teraz ogromne wyzwanie. Brać udział w tych planach, wpłynąć na nie tak, żeby zakładały jak najmniej wycinki. Natomiast są jeszcze inne wyzwania, związane w szczególności ze zmianą klimatu. Puszcza Białowieska cierpi na niedobór wody, przez co właśnie obserwujemy zamieranie drzewostanów, zmiany w siedliskach, uwalnianie się dwutlenku węgla. C'est très impressionnant parce que c'est une forêt où les arbres sont abîmés, les arbres sont cabossés, les arbres ont perdu leur écorce, les branches sont sols. On a l'impression que c'est une forêt qui a pris un gros coup sur la tête et en fait c'est une forêt où 25% des arbres sont morts et c'est ça qui fait sa formidable vitalité, sa formidable biodiversité. Z pewnością widzi pan tutaj bardzo dużo, być może nawet ilość martwych drzew jest dla pana szokująca. W lesie naturalnym około 20-25% biomasy zawsze było, jest i powinno być martwe. Drzewa, które w naturalny sposób zakończyły już swój żywot, albo przewracają się na ziemię, albo trwają jeszcze przez wiele lat, tak jak na przykład to, co widzimy tutaj, to martwe drzewo. W każdym razie, prędzej czy później takie drzewo upadnie na ziemię, no i wtedy przez wiele lat jeszcze będzie się rozkładało. Zdecydowanie nie można powiedzieć, że drzewo, które tak leży przez kilka dekad i się rozkłada, że jest w lesie niepotrzebne. Wręcz odwrotnie, jest ono kluczowe dla bardzo wielu mechanizmów zachodzących w lesie naturalnym. Podczas całego życia lipy, taki gatunek drzewa, całego życia lipy jako gatunku możemy zaobserwować na niej 25 gatunków owadów. Na tej samej lipie, również jako na gatunku, tylko w okresie, kiedy jest ona martwą, czyli od obumarcia po całkowity rozkład drzewa, czyli w okresie notabene krótsze niż często żyje taka lipa, spotykamy już nie 25 gatunków owadów, a jak pan myśli ile? Dokładnie wedle naukowych badań 386. No jest to jednak zdecydowana różnica w porównaniu do 25 gatunków na żywej lipie. Bardzo prawdopodobne, że wiele z tych ponad 300 gatunków owadów pełnią bardzo ważną misję dla tego lasu. Cette forêt de Białowieża, c'est une forêt du temps des chevaliers, c'est une forêt de contes de fées, quoi. C'est une forêt avec des loups, avec des lynx, avec des ours, avec des bisons. C'est une forêt comme on en a dans les contes. Et c'est pour ça aussi qu'il faut la protéger, pour son formidable potentiel de contes, d'histoires, d'émerveillement. En plus de sa valeur patrimoniale, en plus de sa valeur scientifique, en plus de sa valeur en termes de biodiversité. I tutaj właśnie możemy obserwować tą złożoność tego lasu. I po to właśnie chronimy te procesy naturalne, aby móc je obserwować. W lesie naturalnym mamy tutaj okazję obserwowania chociażby właśnie takich zjawisk jak występowanie martwego drzewa w lesie. Jest to obraz, od którego się tak naprawdę już bardzo odzwyczailiśmy. Mało który las w Europie wygląda jak ten.